Amis Nuréens, Nuréennes, rebonsoir. J'espère que cette fois-ci ça va marcher. Je suis en train de regarder. Pour l'instant, je vois que sur YouTube ça tourne. Vous êtes une partie de ceux qui étaient présents tout à l'heure à nous avoir rejoints une nouvelle fois sur cette seconde partie du direct. Parce qu'on a essayé de poursuivre l'émission avec Franck, mais on a bien vu qu'au bout de 10 minutes, eh ben le flux ne revenait pas de votre côté. Donc je pense que la partie que nous avons enregistrée précédemment a été enregistrée et sera accessible demain en replay. En tout cas, bon, on va poursuivre cette soirée en compagnie de Franck Morin sur ce lien YouTube. Et puis, pour celles et ceux qui nous ont suivis en début de soirée et qui n'ont pas retrouvé la route pour nous rejoindre sur ce live, on en est désolé. Et j'espère que vous pourrez profiter du replay. Et puis, en tout cas, un grand plaisir de retrouver tous les Nuréens qui nous ont rejoints sur la chaîne YouTube Nuréa TV. Franck, le retour. Je suis en train de regarder les commentaires. Il y a Carlos qui nous dit « Allez, on respire, on y retourne ». Recrea qui nous dit « Les vaillants n'abandonnent jamais ». Bah oui, c'est ça, vous êtes de retour les amis. On verra sur le nombre important de personnes qui étaient connectées tout à l'heure, combien retrouveront leur route jusqu'à ce live Nuréa. Et en tout cas, les replays sont là pour ça, et je le répète, en accès libre sur le site Nuréa, www.nurea.tv, et sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas les amis, des replays, je crois qu'il y a plus de 300 émissions en stock qui vous attendent pour celles et ceux qui nous rejoindraient depuis très récemment. Relief qui nous dit « Go Guillaume, que la farce soit avec toi ». C'est un petit peu une farce, à vrai dire, c'est ce que je disais à Franck en off, l'année 2019 aura été une année de bugs techniques en tout genre, entre le site internet Nuréa TV, le Google Hangout qui nous lâche, le passage sur un nouveau logiciel qui lui aussi connaît des déboires, et ce soir c'est YouTube qui s'y met, mais on va y arriver, on ne lâche pas, comme le dirait si bien Nora, la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Ce soir, on l'a fait comme ça. Et donc, Franck, on retourne dans l'espace à la quête, à la recherche de ces anomalies spatiales et de ces missions spatiales STS. On a partagé une mission. On était sur la dernière diapo sur laquelle on était en train de discuter, la mission STS-48. On a passé la vidéo, on ne la repassera pas parce qu'elle est assez longue. Qu'est-ce qu'on fait, Franck? On enchaîne sur la suite? Je vais juste résumer 30 secondes ce qui s'est passé, des fois qu'il y a des gens qui le prennent en cours. Ça roule. Et je vais donner les sources et puis après on passe à l'analyse. Et donc le 15 septembre 1991, entre 20h40 et 20h45, une vidéo officielle de la NASA, la caméra EC de la navette spatiale, enregistre une vidéo bien curieuse puisqu'on a un point qui émerge soudainement de l'espace. Et là, rien que là, il y a plusieurs hypothèses. Un point brillant qui avance de manière rectiligne. Puis, donc rien d'inhabituel jusqu'à maintenant. Un flash et un pré-flash et un flash puissant d'origine inconnue. Et à ce moment-là, le point semble, selon certains analystes, faire un temps d'arrêt. Et de quoi qu'il en soit, il repart, comme on voit en bas à droite, à vitesse croissante et dans un angle très court. C'est la première anomalie. Et en plus, on dirait qu'il y a un faisceau, vraisemblablement d'origine terrienne ou naturelle, auquel cas ça pourrait être une étoile filante, qui traverse son chemin ou le vise. À ça s'ajoutent d'autres points en bas de l'écran qui aussi changent de direction, parfois à angle droit. Et on a observé une autre. Voilà pour le résumé. Si vous voulez voir cette vidéo, voici son titre, UFO Footage, STS-48, Abrupt Turn. Et vous avez le lien YouTube. De toute façon, vous la retrouvez facilement avec d'autres mots-clés comme UFO et STS-48. Oui, vous tapez le titre de la vidéo, on les retrouve très très facilement sur YouTube et certainement sur d'autres plateformes. Donc n'hésitez pas à aller les voir dans leur intégralité. Une partie des vidéos qu'on vous montre ce soir, on a réalisé quelques petites coupes pour qu'elles ne soient pas trop longues et qu'on s'attarde vraiment sur les points qui nous intéressaient dans le cadre de cette émission. Voilà, je conseille de les voir à vitesse normale pour commencer, mais aussi pour les moments cruciaux, en accéléré. Parce que comme ça, vous verrez, ça renforce les mouvements non naturels, ou alors en décéléré, notamment pour regarder s'il y a un temps d'arrêt, qui est un point assez bataillé. Et donc, on peut passer maintenant aux interprétations sur la slide suivante. Il y en a deux qui ont été majoritaires et diamétralement opposées. Dans un premier temps, il y a celle des particules de glace propulsées par des gaz de moteur,
versus celle d'hypothèse d'engin non identifié qui irait jusqu'à 700 000 km par heure. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Et on peut commencer par la première, qui, d'abord dans les grandes lignes, c'est James Oberg, James Edward Oberg, qui est un ingénieur spatial américain, qui l'avançait. Avant tout, présentons James Oberg, car c'est un référent de l'ufologie sceptique aux États-Unis. Et à chaque fois qu'on parlera d'anomalie spatiale, que ce soit l'émission STS ou Apollo, on le trouvera, parce qu'il a fait beaucoup de dossiers dessus, il est très intervenant dans les médias. Alors d'abord, il travaillait pour la NASA, et notamment lors de cette mission STS-48, il était à Mission Control, au centre de contrôle. Il était devant les écrans qui diffusaient sur le territoire américain l'avancée de cette mission. Ensuite, il est devenu journaliste et historien de la NASA. Officiellement, il ne travaille plus pour elle, mais il a une autre activité à côté, c'est celle d'investigateur sur les ovnis, investigateur sceptique. C'est un investigateur qui est donc très orienté sceptique, et toujours même, puisqu'il produit des analyses. Des analyses historiques qui publient sur chaque anomalie de la NASA ou d'autres et qui met à disposition dans le public. Il est extrêmement motivé, même on se demanderait même pourquoi, parce qu'il intervient même sur tous les sites comme celui auquel j'ai fait allusion pour mettre des commentaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, sous cette mission STS-48, sous la vidéo, il y a quelqu'un qui dit oh, « bah, ça ne doit pas être d'origine humaine », il intervient. Il dit non, c'est des particules de glace et voici mon rapport. Si on veut. Alors, son rapport, ben, on va lui éviter la peine de le faire puisqu'il met à disposition. Donc, c'est Zigrit STS-48 Zigzag UFO par Jem Oberg. Vous pouvez le télécharger librement sous cette référence document 99 Podio 48 Speech. Et dans cette analyse, qu'on va essayer de résumer brièvement, il nous dit, voilà, à un certain moment, pendant ce quart d'heure de la mission, entre 20h30 et 20h45, il y a une poussée d'un des moteurs, pas du moteur principal, mais d'un des moteurs accessoires verniers, qui a fait une correction de trajectoire, une légère, et donc a propulsé du gaz pendant 1,20 secondes. Et il y a eu un tangage de la navette, une légère réorientation, même si ce n'est pas visible sur les vidéos, un flash qui se réduit apparemment à la lumière de la navette, à ses feux de position, et cette poussée du moteur aurait expulsé toutes les particules de glace autour de la navette et aurait produit cet effet. Parce qu'effectivement, il convient de préciser que sur une navette, il y a une quarantaine de points d'éjection. Ça peut être des déchets, ça peut être les déchets naturels et humains des astronautes, etc., qui vont dans l'espace. Donc, ça peut créer des particules. Alors, examinons un peu l'argumentation, le point fort et les points faibles de cette théorie. Alors, d'abord, première chose qu'il a dit, c'est que des astronautes ont déjà vu des particules de glace illuminées par le soleil. Oui, c'est vrai, puisque John Glenn, le premier américain à faire un vol spatial habité orbital, dit avoir vu des lucioles. C'est les lucioles dont on parlait tout à l'heure. Les fameuses. Les lucioles de l'espace. Pour lui, il n'y avait rien, a priori, d'inhabituel. D'autres astronautes et même des cosmonautes russes en ont vu. Ils s'amusaient même, certains, à taper sur la paroi de leur navette pour faire décoller de la glace et puis qu'on la voit briller par le soleil. Donc oui, il y en a vu, et j'ai même récupéré un film où on en voit aussi et qu'on regardera. Mais ça ne veut pas dire, objection sur ce point, ça ne veut pas dire que c'est ça. Parce que même pendant la mission STS-48, il y a des astronautes qui disent en avoir vu, mais pendant la période de l'anomalie, aucun astronaute n'était témoin. Ensuite, il explique que les points brillants n'apparaissent que dans une seule zone. Donc, son argumentation est de dire les particules sont devenues brillantes quand elles sont apparues dans la zone éclairée par le Soleil. C'est pour ça que le premier objet ne serait apparu comme ça que. Mais ça a été contesté parce que on a d'autres missions spatiales où il y a des objets qui apparaissent tout de suite comme ça, sans que même s'ils sont dans la zone éclairée ou pas, ça n'a pas d'importance. Et d'autre part, on voyait l'objet là qui est l'objet principal M1, il est apparu dans une zone où il y avait déjà des points brillants.
Ensuite, il y a le point, moi, le point qui m'a le plus intrigué, c'est la chronologie. Alors, James Auberck a fait un travail quand même assez poussé, puisque c'est un document d'une trentaine de pages que vous pourrez regarder. Et il y a un point intéressant qui est la chronologie des poussées moteurs, parce que tout est calibré, enregistré quand il y a un vol de NASA. Et le premier qui se produit, c'est à 20h39-23. Et son argumentation est de dire, si on reprend la chronologie, c'est à 20h39-23. Et l'anomalie, donc là, il met page 15, il y a une petite annotation, il dit que c'est là que l'anomalie s'est produite. Et il y a une question qui m'est venue comme ça, mais qu'est-ce qui lui permet de déterminer que l'anomalie, si on a bien la date de la chronologie du poussé moteur, comment peut-on dire que ça corrobore, puisque on n'a rien? Alors la meilleure solution, c'était de lui poser la question, et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que sur le site YouTube que j'ai mentionné, j'ai posé directement la question en anglais à M. Auberg, et comme c'est public, nos échanges sont publics, vous pouvez les retrouver. En déroulant les commentaires les plus récents, ça date d'à peu près une semaine à compter d'aujourd'hui. Je lui demande, sommes-nous absolument sûrs que la poussée du moteur et le zigzag se sont produits exactement au même moment, c'est-à-dire à 20h39-24? Réponse. Le moment exact était bien affiché sur le panneau d'affichage en l'heure réelle, mais la vidéo affichée était retardée de quelques secondes en transit et en reformatage numérique. Bon, déjà, il y a une petite ambiguïté, il y aurait un décalage de temps entre l'image et tout ça. Bon, mais ça, c'est pas trop grave. Normalement, si c'est à la vitesse de la lumière, ça ne devrait pas prendre longtemps, ça va moins d'une seconde, quoi, puisque la lumière, si c'est une onde radio, ça se déplace à 300 000 km par seconde. Donc là, comme elle est à 600 km, c'est immédiat. Mais visiblement, il parle d'un petit décalage qui serait dû au digital reformatting et transit. Donc on ne va pas s'attacher là-dessus, mais on peut s'attendre peut-être à un petit décalage. Néanmoins, il me dit le temps est confirmé par l'axe du corps body axis et les vitesses angulaires, angular rates. Et c'est là que je ne saisis pas très bien. Je vois pas, c'est pas les réponses auxquelles je m'attendais. Parce que là, je vois pas en fonction de l'axe du corps et des vitesses angulaires ce qu'on pourrait déduire. Je m'attendais à autre chose, je vais préciser pourquoi. Et puis après, bon, poursuit son explication en disant que le jet se déclenche, qu'il y a un nuage de panache, qu'il y a un mouvement de poussée par-dessus l'aile gauche, le tir du propulseur, l'éclairage du soleil, etc. Alors après, bon, je lui dis le temps de réfléchir, je lui dis merci, monsieur Berg, thank you, monsieur Berg. Et puis après, il reprend le dialogue. Il me dit toute suggestion pour expliquer en termes familiers cette vidéo serait très étrange, serait vraiment appréciée. Alors, je lui donne mon avis objectif. Ok, c'est très étrange et controversé. Si j'avais une suggestion, elle serait de trouver un document officiel, simple et compréhensible pour tous, certifiant que le jet firing, donc la poussée moteur à 20h39-23, ou les suivantes, correspondent parfaitement, à la seconde près, je précise, à l'anomalie zigzag. Sur ce point, je suggère deux idées. Si la caméra était parfaitement chronodatée, alors, je fais une digression pour expliquer que, par exemple, sur une caméra d'avion, on a exactement l'heure qui s'affiche. Donc, si cette mission était chronodatée, avec la vidéo, on la retrouverait. Ce serait un bon moyen donc de le vérifier en considérant le délai auquel il fait allusion. Hein? Donc, après, on pourrait le recalculer. Deuxième hypothèse. Sur la vidéo à 2 minutes 29, vidéo initiale, nous entendons une conversation entre l'équipage et Mission Control qui parle de manœuvre. Si l'heure exacte de cette conversation est officiellement archivée par la NASA, nous pourrions en déduire la chronologie de l'anomalie. Et je parle de ça parce qu'en fin de compte, sur les missions Apollo, toutes les communications entre Mission Control et l'équipage sont archivées. À la seconde près, on sait ce qui a été dit, mot pour mot. Donc si on arrive à trouver ces archives de la mission STS-48, mot pour mot, il suffit de faire le décalage. Je crois qu'il y a une minute trente entre les deux. On va calculer à la seconde près. On va voir si ça correspond à ça. Le raisonnement est tout simplement logique et imparable. Voilà. Donc, j'ai pas eu de réponse à la suite de ça. Peut-être que j'en aurai, peut-être que j'en aurai pas, peut-être que ça va revenir. Je vais pas trop poursuivre mes messages avec lui. J'ai essayé de chercher les archives officielles radio, justement, de la mission STS-48. J'ai pas trouvé. Peut-être que vous le trouverez. Si jamais, là je parle à tous les auditrices et auditeurs, si vous trouvez les deux éléments dont je viens de parler, essayez de me contacter.
Et puis on en discute parce que ça pourrait changer le débat. Okay. Soit effectivement, on va considérer que cette thèse est recevable, hein, la thèse de Jim Oberg. Il n'y a rien qui dise que ce n'est pas possible, mais pour l'instant, il nous manque un élément. Il nous manque un élément probateur et qui clôt définitivement le sujet. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Si la vidéo, elle pourrait correspondre exactement à la seconde près, il pourrait y avoir un petit décalage, ou ça peut être complètement ailleurs. Sachant qu'entre 20h et 20h39, 24, c'était la première poussée moteur. Après, on voit sur la liste qu'il y en a plusieurs à 20h41 et 20h42. Voilà pour ce qui en est de cette thèse. La deuxième, elle est radicalement différente, puisqu'il s'agit... Plus exotique. Non. Oui. Alors, quelle est l'argumentation? Ici, c'est Jacques Kacher, qui est un physicien américain, et je précise collaborateur de la NASA, tout comme James Oberg. Donc, petite digression, même quand on appartient ou travaille pour la NASA, on peut très bien avoir une opinion, du moment qu'on ne s'exprime pas en son nom, on peut très bien avoir une opinion divergente. Et là, la liste des éléments qui dit, c'est que la première anomalie, donc la part M1, la particule de glace qui est partie carrément en diagonale, alors il insiste sur le temps d'arrêt d'après une étude des pixels. Bon, ça, on peut le voir aussi au ralenti, hein, a priori, c'est véridique, mais c'est bataillé. Il y a l'angle du virage qui est extrêmement sec. Il y a aussi le fait, commentaire personnel, c'est-à-dire que pour avoir un virage aussi sec, il faudrait que la poussée soit quasiment en face de la poussière. Mais d'autres poussières qui sont à l'extrême partie de l'écran virent dans d'autres directions. Donc il a fallu qu'il y ait plusieurs poussées. Enfin bon, c'est un peu particulier. Un début d'accélération non naturelle et un trajectoire rectiligne curviligne. Là aussi, je passe un peu tous les détails, mais vous retrouvez cette étude, Scientific Analysis of the Data Taken by Space Shuttle Discovery on Shuttle Flight STS-48. C'est librement téléchargeable. Et là, il y a tous ces calculs. Alors, effectivement, il y a quelques formules qui sont un peu complexes, mais je trouve que bien que ce soit une analyse scientifique de haut niveau, les grandes lignes sont clairement compréhensibles. La vitesse qui est exponentielle et la luminosité. On reviendra sur ce point, mais en gros, la luminosité est constante sur l'anomalie principale. Et ça, c'est pas normal. Une particule de glace, pour des raisons dont on parlera après, ne devrait pas avoir une lumière constante, puisqu'elle est en rotation sur elle-même. Pour qu'il y ait une lumière constante, il faudrait que ça soit l'objet lui-même qui émette cette lumière. Par exemple, oui. Ouais. Ou alors, qui garde la même position, etc. D'accord. Mais en tout cas, voilà, l'argumentation qui a été reprise par un autre scientifique est la suivante. Une particule de glace est un corps irrégulier. Donc, quand elle est en rotation autour d'elle-même sur l'espace, si elle est éclairée par la lumière du soleil, la luminosité va varier, puisqu'elle va se refléter sur des parties différentes, va avoir des angles et tout ça. Et ça, on va pouvoir le vérifier. Ensuite, les durées, on marquera encore que c'est deux thèses radicalement opposées, puisque celle de gauche nous dit que c'était des particules de glace qui étaient à 20 mètres maximum, 20 mètres maximum de la navette. Et là, ils nous disent que c'est un engin qui est situé à 2700 km. Ça change tout. Alors là, comment savoir qui a tort, qui a raison? Si on n'arrive pas à trianguler l'objet, on a du mal à estimer la profondeur depuis laquelle on l'observe. Alors voilà comment ils font pour calculer des distances dans l'espace. D'abord, il y a un repère qui est la Terre. Rien qu'avec l'image de la Terre, ils peuvent calculer les distances. Après, évidemment, c'est délicat d'estimer la taille d'un objet. Et ils peuvent se repérer en tout cas par rapport à ça. Je vous laisse voir les calculs, tout expliqué dans leur rapport, quoi. Là, par exemple, sur les diagrammes, le diagramme qu'on voit en haut dans l'hypothèse engin non identifié, il a retracé donc les déplacements de tous les objets, quoi. Déjà pour montrer que ce n'était pas naturel. Et des diagrammes comme ça, il y en a plein hein, dans son étude. En conclusion, il dit que c'est un aéronef de type inconnu. Et là, il soulève plusieurs hypothèses, enfin deux. Soit c'est un test terrien, donc un objet tout à fait artificiel, mais de notre planète, sur lequel une arme spéciale aurait été utilisée, par exemple, ou un engin extraterrestre. Il dit clairement. Si c'est un engin extraterrestre, il estime qu'il va à 700 000 km par heure et avec une accélération de 10 à 18 000 G.
Alors là, c'est des chiffres qui sont délirants, parce que c'est... C'est même plus on est collé au siège, c'est le siège et nous ne faisons plus qu'un. Si vous voulez savoir ce que c'est que de se prendre entre 6 à 8G, par exemple, vous pouvez aller voir des vidéos sur le net où on voit des pilotes d'avions et réactions qui soufflent comme des bœufs quand ils se prennent des 6, 7, 8G, quoi. Ça s'entend dans leur... Et sinon, il y a des simulateurs de G accessibles au public où on voit les visages des gens se déformer. On voit leur peau se dilater sur le visage. Et ça, c'est qu'à 6 ou 8G. À 10, à 12, c'est encore humainement supportable, mais bon, des 1000 et 18 000, c'est impensable, quoi. Ouais, c'est des et là, il parle de l'hypothèse qu'on parle d'un, c'est que si on parle d'un objet qui est en vitesse stationnaire et qui après file dans l'espace à ces vitesses-là, voilà ce qu'on aurait. Alors, voilà pour l'instant les deux hypothèses en place. Alors, on va essayer de recreuser en revoyant deux autres. On peut passer à la vidéo. Enfin, à la slide suivante, où on voit des véritables cristaux de glace. Cette fois, il n'y a pas d'OVNI. Ce sont de véritables qui ont été filmés derrière la navette spatiale lors d'une autre mission, lors des missions STS-75. Alors, sur les photos qu'on est en train de voir, là, on a deux photos, c'est l'arrière d'une navette. Où sont les cristaux de glace? On le verra un peu mieux sur la vidéo, mais tous ces points brillants là, parce qu'on les voit pas en mouvement, donc c'est normal, on peut confondre avec des planètes, des étoiles, je veux dire, des étoiles ou des cristaux, mais bon, là j'ai mis deux extraits de cette vidéo pour montrer juste quelques petits détails. Là on est sur l'arrière de la navette, où se situe la tuyère principale. Et sur la deuxième photo, là vous voyez une partie bombée, il y a un flash. Enfin, on voit l'éjection de la tuyère. C'est la zone lumineuse. Ouais. Voilà. Donc là, c'est clair, c'est net. Et le mieux, c'est d'aller voir la vidéo, si on peut la lancer. Donc, c'est la vidéo numéro 3. Hop, et ben c'est parti. Je lance. On voit la baie de chargement qui s'ouvre de la navette, la terre derrière, pour commencer. Et là, on va se rendre au niveau de la tuyère. Et tout ça, ce que vous voyez, c'est des particules de glace. Et à un moment, la tuyère va s'activer et vous allez voir qu'elles vont partir dans toutes les directions. Là, voilà, vous voyez, il y en a qui partent. Voilà ce que ça donne. Donc au départ, ça flotte naturellement. Et puis après, bon, bah, elles sont dans la cabine. D'accord. Si vous voulez avoir un meilleur aperçu, vous reprenez les références de la vidéo, vous les passez au ralenti et, ou en accéléré, et effectivement, on peut voir que ça peut donner ces effets-là. Néanmoins, on remarque qu'ils partent plus ou moins toutes dans le même sens, sauf une ou deux. On peut passer à la diapo suivante. Où là, on va voir l'analyse de Mark G. Carlotto, qui est un spécialiste en télédétection spatiale américain, et qui, lui, va en rajouter sur l'hypothèse exogène. Donc, lui, il est dans la lignée de Jacques Cacheur, et il a repris des analyses, mais en appuyant sur certains détails. Donc là, c'est des documents qui sont extraits de son livre, « Digital Video Analysis of Anomalous Space Object », et il reprend l'analyse de M1 et il donne une nouvelle explication. Pourquoi est-ce que M1 apparaît comme ça et semble sortir de rien? Il suppose qu'en fin de compte, cet objet était à la limite de l'atmosphère et donc qu'elle a émergé d'une couche de nuages. Ce qui pourrait être une explication. Ensuite, il insiste sur la luminosité. Et voilà ce qu'il raconte. Contrairement aux particules de glace dont on parlait, jusqu'au moment où elle va changer de trajectoire, la luminosité de M1 reste fixe. Et effectivement, c'est un bon argument parce que j'en rappelle, j'en ai pas parlé quand on a regardé la vidéo des véritables cristaux de glace, mais vous remarquerez, si vous la regardez longtemps et la re-regardez, que la luminosité est changeante. Ce qui est normal, hein, puisque c'est en rotation. Ensuite, il insiste sur les comportements anormaux des autres particules. Enfin, des autres particules, des autres objets, on va dire. Et effectivement, j'en rappelle à la vidéo initiale, mais par exemple, M6, qui est indiqué là
sur le petit graphisme, carrément fait un vol presque en angle droit, quoi. Hein, on voit, ça part directement en l'air. Et ensuite, il insiste sur les trajets rectilignes et curvilignes de ces objets. Donc, il n'y a pas que M1 qui est en anomalie. Ce qu'il a marqué M3, là, c'est par contre, ça, c'est une étoile, Polaris. Voilà. Alors, ensuite, la question, si c'est vraiment un faisceau, une arme à faisceau, de quoi pourrait-il s'agir et d'où est-ce que ça peut venir? Alors déjà, on va éliminer les armes à projectiles classiques, les batteries anti-aériennes. Parce que par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, d'après ce que j'ai vu, les canons classiques n'allaient pas à plus de 2 km en hauteur. Maintenant, peut-être un peu mieux, mais un obus classique ne pourrait pas aller percer l'atmosphère pour aller dans l'espace. Parce qu'on voit bien que un missile classique aurait du mal. Par exemple, certains missiles. Par exemple, j'ai vu que les Stingers avaient une limite à quelques milliers de mètres de hauteur. Et puis, un missile classique n'est pas fait pour traverser l'atmosphère et aller dans l'espace. Néanmoins, il existe des missiles qui permettent d'aller détruire des satellites. Les Russes et les Américains ont déjà détruit leurs propres satellites en guise de test par des missiles qui sont tirés depuis la Terre. Les Chinois l'ont fait en 2007 de mémoire aussi, ce qui a fait un scandale parce que ça a multiplié le nombre de débris dans l'atmosphère. Et très récemment, en 2019, les Indiens ont fait exploser un de leurs satellites en orbite basse. Et il a fallu 3 minutes, d'après ce que disent les analyses techniques, à ce missile pour partir de la Terre et aller exploser le satellite. Donc 3 minutes, ça fait beaucoup, quoi, par rapport au flash qu'on vient de voir. Donc c'est pour ça que si c'est vraiment une arme, terrienne ou autre, tout pense à croire que c'est une arme à énergie dirigée, de type laser, par exemple. Et effectivement, de nos jours, on utilise des armes à des énergies dirigées, notamment pour aveugler des satellites. Par exemple, c'est ce que font les Chinois. C'est un incident qui s'est produit. Quand des satellites espions américains survolent leur territoire, ils en ont flashé quelques-uns avec un laser. Donc ça ne produit pas de dommages sur le satellite, mais ça le perturbe. Ça l'empêche de fonctionner normalement. Voilà. Voilà un peu pour le principe. Donc effectivement, arme à énergie dirigée. D'où est-ce qu'elle pourrait venir? D'après les études, ça viendrait de l'Australie, selon les études donc de M. Carlotto ou aussi de Richard Hoagland. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on ça serait entre l'Australie et puis un autre pays. Hein. C'est l'Indonésie, ça. Donc ça viendrait du maritime, ce qui est étrange. Bon, parce que c'est sûr que si ça venait d'une localisation terrestre, on aurait pu aller regarder ce qui se passe là-bas. Mais là, Ouais, c'est peut-être une arme montée sur un bateau. oui. Ou sous-marin, bateau, plateforme, ou n'importe quoi d'ailleurs. Arme terrestre, mais parce que là on a envie de savoir de quoi il s'agit, ou alors arme extraterrestre aussi, tout est possible. Oui, il faut on laisse les Arme hypothèses ouvertes. extraterrestre positionnée sur Terre pour faire fuir des éventuels intrus. Tout est possible. Pour continuer sur les énigmes, donc tout à l'heure, sur la première partie, on a vu qu'il y avait un objet en forme de boule, donc 3 lobes. Alors ce que j'ai mis là, c'est un extrait de la propre vidéo à 2044, vidéo initiale, et ça, c'est Carlotto qui la rajoute aussi, une photo. Effectivement, objet très étrange qui, dans cette vidéo, va aller se déplacer après l'incident principal. Et puis sinon, il y a un autre point blanc qui change de direction à 4028. Donc voilà, pour résumer un peu sur cette énigme, c'est un gros dossier, hein, comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'échanges techniques. Ouais. Mais Et c'est bien de savoir que voilà, qu'il y a des études un peu poussées sur ces anomalies. voilà donc toutes les sources, on pouvait les reprendre. Et maintenant, comme on dit, Carlotto, lui, pensait que l'objet allait non pas à 700 000 km/h, mais pouvait dépasser le 1 million de kilomètres par heure, voire 1 400 000 en vitesse terminale. Difficile à calculer. Néanmoins, on peut comparer par rapport aux objets humains les plus rapides dans l'espace. Pour les vols habités, c'est Apollo 10, 39 900 km par heure à peu près. C'est déjà pas mal. Oui, en sachant qu'Apollo 10, c'était celui qui précédait bien sûr Apollo 11, et il s'est approché tout près de la Lune. Il aurait pu l'unir. Il est allé jusqu'à 15 km de la Lune. Oui, c'était la mission d'entraînement en fait. C'était le dernier test avant l'alunissage. Voilà. La Voilà répétition toute générale. l'histoire. Et puis après, l'objet humain le plus rapide non habité, c'est la sonde Parker Probe,
qui a été envoyé en 2018 pour aller étudier le Soleil et résoudre quelques anomalies au passage. Vitesse maximale 343 000 km par heure, ce qui est énorme. Et on pense qu'elle va atteindre 700 000 km par heure en 2025. C'est donc, des chiffres qui sont assez impressionnants. On ne s'imagine pas, vu de notre petite vie de terrien, que des satellites peuvent aller à cette vitesse. En sachant que, comme on en parlait tout à l'heure, une comète ou un météore peut aller jusqu'à 250 000 km par heure, naturellement. Puisque comme il n'y a plus... effectivement, ça peut apparaître délirant, ces vitesses-là. Mais comme il n'y a plus de résistance dans l'espace, un objet qui subit une poussée va toujours continuer plus ou moins dans la même direction et à la même vitesse, tant qu'il ne rencontre pas d'obstacles, tant qu'il n'y a pas de percussion ou de force extérieure qui existe sur lui, quoi. C'est sûr. Sauf s'il entre en gravitation, en pénétration orbitale, ça c'est une autre affaire. Oui, s'il y a d'autres, d'autres forces qui entrent en jeu, mais sinon dans l'espace, il est tranquille, il trace sa route, comme on dit. Et sinon, au niveau des sondes, on utilise ce qu'on appelle l'accélération gravitationnelle. C'est-à-dire qu'on envoie une sonde tourner plusieurs fois autour d'un corps céleste ou une planète pour prendre de l'essor et aller plus vite. En tout cas, le record précédent était à 250 000 km par heure à peu près, c'était la sonde Helios 2. D'accord. Bon, voilà pour des points de repère et puis cette énigme. Et on peut passer à la suivante. La mission Discovery STS-63. En février 1995, elle avait pour mission d'arriver jusqu'à Mir, la station russe Mir, qui n'existe plus de nos jours puisqu'elle était détruite, autodétruite. En préparation, elle devait juste l'approcher. Puisqu'il ne s'agissait pas de faire ce qu'on appelle un docking, un arrimage, puisque c'était prévu pour une mission ultérieure, l'STS-71, qui a réussi d'ailleurs. Là, on voit une photo, il y a un cosmonaute russe qui est effectivement sur Mir et qui regarde par la fenêtre voir la navette s'approcher. Et on voit une photo de la station Mir avec Soyouz, donc arrimé, ils se sont arrimés dessus. Ils se sont approchés à 11 mètres. Et une des particularités de cette mission, c'est que c'était la première mission américaine à être dirigée par une femme, Eileen Mary Collins. Voilà pour l'historique, et on peut passer à la suivante, où on voit, avant que l'équipage américain se rapproche de Mir, ils sont dans l'espace, ici on voit la courbure de la Terre, et au milieu d'un nuage de débris, ils recherchent à localiser la station Mir. Ils finissent par la trouver si on écoute les commentaires. Mais ils vont aussi observer en même temps des objets en déplacement tout à fait anomalique. Alors, on va essayer de le mettre en place. C'est la vidéo numéro 4. STS-63, je la lance. Donc on voit la courbure de la Terre, des points lumineux. Non, ça a duré 4 minutes et plusieurs... Alors si vous le mettez, si chez vous, vous mettez la vidéo originale avec les voix, vous entendrez les commentaires des astronautes. Là, on voit une étoile filante. Alors voilà, des objets lumineux qui commencent à apparaître et se déplacer. Alors si ça se déplace tout droit, sans décélération, sans arrêt... Rien à dire. Mais vous allez apercevoir qu'il y en a plusieurs qui se déplacent de manière inhabituelle. Alors, il faut avoir parfois un peu l'œil partout. Là, on voit une étoile filante. Alors, il y a un objet un peu plus rapide. Hein. Zoom et dézoom. Il y a des controverses là-dessus. Puisque à plusieurs moments, les astronautes vont faire des zooms sur des objets en anomalie. Et des internautes s'étonnent que dès qu'ils fassent un zoom sur l'objet en anomalie, comme s'ils s'aperçoivent que c'est vraiment bizarre, mais tout de suite ils font un dézoom, quoi. Ah. Bon. On est en mode, ils veulent nous cacher quelque chose. On en discutera un peu plus tard. Et là, effectivement, on voit des objets qui sont plus lumineux que les autres, plus volumineux, et puis qui font des déplacements, et après semblent partir rester en vol stationnaire. On se croirait limite dans un film de science-fiction avec une armada d'ovnis prête à visiter la Terre, pour ne pas dire plus.
Et si c'est anomalique, c'est parce que des ingénieurs spatiaux, des astronautes, ce sont des cosmonautes, des astronomes se sont mis sur ce dossier et ont clairement dit que c'était pas normal de voir des objets comme ça. Après, on pourra tracer les mouvements de chacun. Alors, il y a ceux qui sont proches les trois là qui sont proches de la Terre, et après les autres. Alors c'est vrai que quand on compare Voilà, ces déplacements. il y en a un autre qui vient d'apparaître là. Je sais pas si je suis synchronisé entre Si, si, les c'est deux ou ça. non. Comme si c'était matérialisé. Voilà, il se rapproche de l'autre. Voilà, quand on voit ça, il devrait toujours continuer à la même vitesse. Et nombre d'entre eux sont en position stationnaire. On les a vus se déplacer, puis à un moment ils s'arrêtent. Voilà, c'est surtout ça. Qui se déplace, c'est pas un problème, mais voilà, un zoom. Et là, il semble s'aligner, quoi. Et l'autre, il a clairement arrêté et a arrêté de bouger là. Alors que celui qui venait d'apparaître là, il s'est positionné. À côté de l'autre, et il bouge plus maintenant. Et maintenant, il change de direction. On dirait qu'il revient en arrière, qu'il s'approche de la bordure de la Terre. Bon, on voit une étoile filante là. Oui, Et maintenant, il effectivement, repart vers on a l'autre. l'impression qu'il repart en sens inverse. Et là, on a un zoom. Voilà, zoom. Regardez bien les zooms parce que voilà, zoom des zooms. Alors ça, c'est beaucoup d'internautes disent ça, comme s'il y avait une forme d'autocensure. Et si vous écoutez les commentaires des astronautes, eh bien vous remarquerez qu'ils restent très concentrés dans leur mission. En dépit de tout ce qui se passe, ils gardent leur sang-froid. Et ça, c'est une particularité des astronautes. Ils ont pour consigne, en fin de compte, on va sortir du sujet OVNI, mais si jamais il y a un incident qui se produit, ils ont pour consigne de toujours garder leur sang-froid, de rester calme, de gérer la situation et de dire le moindre chose, de rien dire, comme c'est diffusé en direct parfois, de rien dire qui puisse inquiéter le public. Par exemple, j'ai vu que des cosmonautes russes avaient pour consigne de ne pas dire quand ils avaient le mal de l'espace, d'utiliser un code. Ils disaient par exemple qu'ils voyaient de la foudre ou des éclairs ou des choses comme ça. Donc il y a certains codes pour masquer les situations, parce que ça ne serait pas bon pour l'image du pays, que ce soit la Russie ou les États-Unis ou d'autres, de voir des cosmonautes qui paniquent. Qui est le mal de mer là-haut. Oui, voilà. Alors, il Et y a un donc ce qui comment. explique un peu. Ouais. Vas-y, je t'en prie, fini, fini, excuse-moi. Donc ce qui explique un peu leur sang-froid, ils sont sélectionnés pour ça, non seulement pour leur force physique, parce qu'effectivement, il faut se prendre des jets au décollage, il faut vivre dans des conditions très difficiles, mais aussi il faut être d'une force mentale assez imposante pour pouvoir résister à tous ces facteurs de stress, sachant, comme on l'a dit au préalable, l'espace c'est très dangereux. Hein. La moindre erreur, peut être une perdition, ça peut être une explosion. Leur vie est en danger tous les jours. Voilà. On le précise jamais assez, mais effectivement, on a affaire à ce qu'on peut appeler des héros. Ces gens qui vont dans l'espace, même surentraînés, prennent quand même énormément de risques. Il y a un commentaire de Jean pour revenir sur nos anomalies et sur leur déplacement. Il y a Jean qui nous dit, Guillaume et Franck, en physique, ça fait penser au mouvement brownien. Et moi, ce mouvement brownien, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que toi, ça te parle? S'il pouvait préciser, après développer son commentaire, comme ça on aura le temps de le regarder, parce que moi ça me. Jean, si tu peux nous donner une petite explication en quelques lignes de ce qu'est le mouvement brownien, eh ben on est preneur et on le partagera à l'antenne. Voilà, après c'est pour tous ceux qui regarderont, si c'est s'il met sur commentaire YouTube, comme ça laissera. Il y a le temps de prendre le temps pour bien le travailler, le creuser, et puis après Jean on nous verra dit ça. sur le chat, sur Google, on tape mouvement brownien et d'après lui, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit là. Il faudra qu'on aille creuser le sujet et les amis, je vous invite à en faire de même. Donc revenons sur nos anomalies, sur ces objets, n'en disons pas plus pour l'instant, et ces déplacements qui sont somme toute assez atypiques et quand on réfléchit effectivement, ça avance, ça s'aligne, ça repart en arrière.
Ça ressemble à rien de ce qui pourrait être naturel dans l'espace. Oui, alors il y a des gens qui pourraient dire c'est dû à l'effet de vue. Par exemple, s'il y a un changement de caméra, s'il y a un changement de position, bah dans ce cas-là, un objet qui change de direction pourrait ne pas le faire. Mais en fin de compte, là, on voit qu'il n'y a pas réellement de changement par rapport à la courbure de la Terre. Ça ne vire pas brutalement de gauche à droite, quoi. C'est ça, Donc, si ce n'est des mouvements de dézoom, mais ça ne désaxe pas l'axe de prise de vue. Et en fin de compte, la plupart des analystes bon, qui connaissent le sujet, et même sans avoir un diplôme en ingénierie spatiale, on voit à l'œil nu qu'il y a des anomalies. Et les spécialistes disent évidemment, ils classent vraiment ce dossier dans celui des phénomènes explicables. En hypothèse sceptique, il a été dit que ça puisse être des débris, mais des débris ne sont pas censés avoir un certain mouvement. Ensuite faire du vol stationnaire, revenir en arrière ou se regrouper. Voilà pourquoi D'accord. ce dossier est dans le top des anomalies. On peut passer à la suivante. Un dernier mot, puisque Jean nous a remis un commentaire, il nous dit le mouvement brownien ou processus de Wiener est une description mathématique du mouvement aléatoire d'une grosse particule immergée. Mais là, on est dans un mouvement dans un liquide. Dans un fluide, oui. Dans un fluide, donc peut-être que. Mais pourquoi Et pas? l'espace n'est pas un fluide. Et l'espace n'est pas un L'eau fluide. et l'air sont des fluides, mais pas l'espace. Mais à creuser, en tout cas, merci Jean pour ces précisions. Donc, on enchaîne sur la diapo suivante. Et cette fois-ci, on arrive sur la Voilà. mission Columbia STS-75. STS-75, voilà, en février-mars 1996. Et l'objectif principal de cette mission était de déployer un satellite circulaire. Et là, on voit en haut à gauche, on voit donc la planète Terre et la baie de chargement de la navette qui s'ouvre. Et on voit une boule à l'extrémité. Cette boule, c'est ce satellite bien sphérique et blanc relié par un fil. Un fil qui, je le précise, mesure plusieurs kilomètres de long et a priori 1 cm de large, ce qui pourrait être un détail important. En tout cas, à un moment, il va se briser. C'est un incident qui se produit. On le voit ici, là, ces deux images à droite qui sont apposées. Et là, il se brise, il s'entortille. Ouais, comme On un peut passer à élastique qui la... lâche. Voilà. À ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire que 3 jours après, il y a une caméra Vidicon donc, qui fait un zoom sur cette attache qui s'est brisée et qui est dans l'espace. Donc là, longueur 20 kilomètres. Et cette caméra va percevoir des phénomènes très bizarres, lumineux, qui suivent des trajectoires naturelles, c'est-à-dire rectilignes, mais qui vont passer devant ou derrière l'attache. Pour l'instant, ce n'est pas bien déterminé. C'est-à-dire ce qu'on voit là, ce trait au milieu, c'est la tâche. Voilà, c'est l'attache, oui. C'est le C'est-à-dire câble. le câble qui reliait ce petit satellite au reste de la structure et qui faisait 1 cm de large. Voilà. Donc en termes d'échelle, les anomalies qu'on voit autour sont. Là sur les photos, on voit quelque chose en forme de soucoupe. Mais on peut-être le regarder sur Sur la est-ce que je vidéo? l'ai mis? Ouais, sur la vidéo, ce sera peut-être plus Donc c'est la vidéo clair. numéro Numéro 5. 5, NASA UFO 75. C'est parti! Ok. Donc on voit la tâche qui semble briller et on voit des points qui se déplacent. Apparemment non intelligents, hein. Si jamais vous en voyez un qui change de sens, n'hésitez pas à le faire remarquer. Mais pour l'instant, ça se déplace autour. D'accord, ces points correspondent à quoi? Des débris? Officiellement, c'est des cristaux de glace. D'accord, toujours. Toujours. Mais alors, par contre, il va y avoir une apparence. Regardez, quand ça zoome, je ne sais pas si on est synchronisé, mais vous voyez, on est à dire une espèce de disque avec un trou au centre. Alors, il y en a qui passent à vitesse variable. Certains sont plus gros que les autres. Est-ce qu'on peut déterminer s'ils passent devant ou derrière la tâche? Ça va être un des points clés de l'énigme. Et ce n'est pas forcément évident.
À un moment, on a l'impression que ça le recouvre, puis à un moment, on a l'impression que ça le passe derrière. Celui-là, il passe plus lentement. Et on voit aussi qu'il y a une encoche. Et là, oui, il est Certains adressé en ont une dessous, encoche, derrière. deux encoches. Voilà. Et ensuite, il est plus gros, il passe plus lentement au-dessus. Quand on regarde la forme, on est vraiment kaléidoscoïdal, quoi. Oui, mais ça veut Alternative dire qu'il y aurait Dynamic. de nombreux disques. Oui, ce serait vraiment la foire au disque, là. L'autre est beaucoup plus lumineux, là, celui qui vient de passer à droite. Ouais. Je crois que c'est celui qui est souvent retenu pour les. Celui-là, il est pas mal aussi. Il a l'air de briller, scintiller. Mais là, les trajectoires qu'on observe sont quand même rectilignes. Oui. Il y en a un beau qui passe là. Et celui-là, effectivement, il est bien blanc. Ce qui est vraiment curieux, c'est quand même le trou et l'encoche, quoi. L'encoche, elle a l'air d'être bien nette. Bon, voilà, là, on a vu le principal. D'accord. Et donc, on peut revenir À la diapo. à la diapo. On va essayer de voir les explications qui ont été données. Alors, ici, il a été remarqué d'abord, c'est la distance. Parce que c'est un zoom qui a été fait d'assez loin. Il est situé, d'après les estimations, à 140-180 km de distance, d'après James Hauberg. D'après James Hauberg, mais comme j'ai vérifié l'information, d'autres sources le précisent. On est à peu près à ça. Donc ça veut dire que c'est très loin. C'est vraiment un zoom qui a été fait sur un objet qui n'est vraiment pas en proximité. Et ensuite, il n'y a pas de comportement intelligent. Et on remarquera que si on regarde la tache, elle fait 1 cm de long. Et quand on compare la taille des anomalies par rapport à la tache, si vraiment, sous condition qu'ils soient vraiment tout près, ben, ils ne sont pas forcément très gros, quoi. C'est-à-dire que là, j'en vois, là, j'ai fait un arrêt, il doit faire 2-3 cm, Oui, sous condition que ce soit la même échelle, d'accord. hein. Ensuite, il n'y a pas de comportement intelligent, et donc c'est pour ça qu'il y a une hypothèse qui a été dite, bon, elle est un peu bizarre, que ce soit des cristaux de glace, des vrais, qui traversaient, qui se situaient autour de la tache, et qu'il y a eu un effet optique, une illusion d'optique, c'est-à-dire que leur luminosité était exacerbée, que avec l'appareil, ça donne cette illusion-là. Il y a une émission qui s'appelle UFO Hunter qui a reproduit l'expérience pour voir si c'était possible. Alors là, j'ai mis les références, saison 1, épisode 13. Vous pouvez les retrouver facilement sur Internet et regarder ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont, à l'aide de différents appareils, essayé de voir si on pouvait avoir un tel effet de zoom ou d'out of focus. Et a priori, oui, ils ont réussi à reproduire un disque, cette fois-ci de couleur verte, avec un trou au milieu. D'accord. Néanmoins, je ne vois pas l'encoche. Alors sur ce, bien qu'effectivement la forme soit très bizarre, il est concevable que ce soit juste un phénomène naturel, puisqu'il n'y a pas de comportement intelligent, donc ça ne paraîtrait pas étonnant, quoi. Oui, je crois qu'on peut assez légitimement mettre de côté, d'un point de vue ufologique, cette vidéo-là. Ne serait-ce, comme tu dis, il n'y a pas de déplacement qui laisse penser une intelligence pour guider tout ça. Il y a une récurrence du phénomène qui est bien trop importante statistiquement. Comme on disait tout à l'heure, c'est se dire qu'on est tombé sur la foire aux ovnis, c'est la bourse aux ovnis d'occasion et c'est là qu'ils viennent échanger leurs soucoupes. Il y a même un Urien qui disait, j'ai l'impression, c'est Jérôme qui disait, on dirait qu'on regarde dans un microscope et c'est tout à fait l'impression que ça donne. Il y a tellement une prolifération, on a une observation à foison de ce phénomène-là, qui semble peu probable qu'on ait affaire à quelque chose qui soit du domaine de l'ufologie et des soucoupes volantes. Oui. Je suis même assez étonné en fait que à vrai dire, que des associations ufologiques prennent comme UFO Hunters prennent du temps pour investiguer sur ce genre d'observation. Même si ceci dit, le fait de savoir qu'ils arrivent à le reproduire fait aussi avancer le schmilblick. Oui,
Oui, parce que si y a des dossiers qui sont élucidés, ça en fait toujours moins étudié, quoi. Vu la masse qu'il y a, ça ne peut jamais faire de mal. Et puis sinon, effectivement, ça nous donne une petite leçon, si vous voulez dire, pour la suite. C'est-à-dire que quand il y a des objets comme ça, il est non identifié dans l'espace, quand on a un point de repère, comme la distance, c'est toujours bon de connaître la distance et la taille et les caractéristiques. Ouais. C'est ça qui fait la différence dans les dossiers ufologiques. C'est les caractéristiques de l'objet qui vont nous dire s'il y a quelque chose de non naturel ou non, quoi. Bien sûr. Alors, on peut en passer à un autre qui, celui-ci, va être un dossier beaucoup moins facile à élucider. Donc on passe sur la mission Columbia STS-80. STS-80, décembre 1996. L'objectif est de déployer un satellite. Donc, on le voit là sur la photo avec le bras articulé. Et au cours de cette mission, il y a aussi une mission annexe qui est d'étudier des phénomènes électriques se produisant en haute atmosphère. Et une caméra va enregistrer des événements particulièrement intrigants. Donc, là encore, les références de la vidéo. Martin Stubbs est un compilateur de toutes les vidéos de la NASA. C'est lui, il a entrepris de collecter tous ces documents et dès qu'il y a des événements anomaliques, il les publie sur le net. Donc tous ces documents, encore une fois, sont publics, appartiennent à la NASA qui les a mis à disposition de tous. Ce qu'on voit, alors là je vous ai mis les quelques points forts de cette vidéo, d'abord en images. Sur la vidéo officielle 3 minutes 37, il y a un objet qui apparaît en bas de l'écran, derrière c'est la Terre. Et cet objet va progressivement avancer et puis se gonfler et gonfler en volume. Très peu d'objets spatiaux peuvent faire ça. Les plus connus actuellement, c'est les satellites Iridium. C'est des satellites qui peuvent donner l'illusion d'augmenter de volume. Ça crée une énorme lumière quand le soleil, la lumière du soleil touche leur partie réfléchissante. Mais d'abord, à ma connaissance, ils n'étaient pas encore actifs. Et puis, l'explication n'est pas là, sinon elle a été trouvée. Il y a d'autres phénomènes qui, à 4 minutes 58, émergent, un autre qui émerge de l'atmosphère. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais il apparaît, hop, tout d'un coup. Et après, il y a une autre partie, c'est que dans la partie basse de la photo, extrémité basse de la Terre, on a des phénomènes encore. On a dit que c'était des cristaux de glace, mais finalement, ils ont des comportements intelligents puisqu'ils se rapprochent et puis après, ils partent dans d'autres directions. Donc voilà un peu pour cette vidéo, mais on peut aller la regarder. C'est la numéro 6, comme le prisonnier dans les nuages. Donc ici, là, c'est un phénomène tout à fait naturel. Et donc, on regarde la Terre. Alors là, il dure 8 minutes. Donc on a le temps de ça. Donc là, il y a un objet qui part, mais il n'y a rien d'anomalique là-dedans. Il faudra peut-être attendre plusieurs minutes avant que ça arrive. On va la laisser défiler, effectivement, j'ai pas la possibilité d'avancer la vidéo. On a une belle vue de la Terre. Il faut préciser que les missions STS se déplaçaient pas très haut dans l'espace. Ah tiens, voilà un qui arrive. Donc là, on peut voir en Déjà bas de bon. l'écran et la zoom Ouais. arrière. Alors, là, Ouais. c'est le méga zoom, hein. Oui. Oui, là c'est un astronaute qui était derrière et qui filmait. Au passage, je précise qu'on dit astronaute pour les Américains, cosmonaute pour les Russes, spationaute, on va dire, pour Français européens et taïkonaute pour les Chinois. Donc à chaque fois, j'essaye de respecter. Les us et coutumes de chaque contrée Oui. et les appellations contrôlées.
Donc on parle de l'altitude de la navette, oui, quelques centaines de kilomètres en général, parce que l'ISS, par exemple, la station internationale, elle est à 400 kilomètres de la Terre. Et la première barrière de Van Allen, parce que souvent on pose la question, elle est de mémoire à 700, à partir de 700 kilomètres. Tiens, on vient de voir un phénomène naturel électrique là. On est beaucoup hein, dans le. On a l'impression de voir un orage vu du dessus. Ouais, ça intéressait beaucoup les Américains qui voulaient étudier ces phénomènes en haute atmosphère. Et donc, il est filmé depuis un programme sur plusieurs missions. Voilà, quelques objets lumineux en dessous au niveau de Et la donc, barrière de la Terre, là. tu nous disais, Franck, cette ceinture de Van Allen, c'est une ceinture magnétique. En quoi cette ceinture pourrait empêcher qu'on sorte de l'atmosphère terrestre? Certaines personnes, c'est un long dossier, j'aurai du mal à répondre dans quelques minutes, mais en fin de compte, c'est une barrière de radiation, mais à degré variable. C'est-à-dire que les variations peuvent être très fortes à un endroit et elles peuvent être beaucoup plus légères sur d'autres. Et ce qui fait que ça a été calculé dès la fin des années 50, une des premières sondes américaines a eu pour objectif de mesurer ça. Et elle s'est aperçue qu'on pouvait la traverser sous condition de bien calculer. Je surveille en même temps Oui, là. hésite pas à commenter. J'ai l'impression que c'est comme si on suivait une vidéo en direct. Ah oui. Donc, au départ, bien évidemment, comme l'idée était d'envoyer des hommes sur la Lune ou de traverser l'espace à un moment, à 700 km, c'est pas très haut, hein. Ah là, voilà. Donc, je reviens sur la vidéo. Ici, on voit, ça vient d'apparaître en bas là, un objet. Tout d'un coup, vous voyez, il augmente énormément de volume. Et de Donc, luminosité, oui. et de luminosité, oui. L'un ou l'autre, ou les deux, quoi. Et là, il commence à ralentir. Ça, c'est tout à fait anormal. Un objet naturel ne fait pas ça. Et on a l'impression que soit il disparaît, il se dissout, mais en tout cas, il va laisser une petite trace, comme s'il pénétrait dans l'atmosphère. Alors, il a été dit que c'était une particule de glace, et encore une fois, illuminée par le soleil. Mais pourquoi est-ce qu'elle a cet effet-là? En même temps, là, on a des objets qui vont se déplacer hein, dans la partie basse, voilà, qui progressent dans l'espace. Une étoile filante, un objet qui se déplace plus rapidement, et toujours nos objets en bas de l'écran, en dehors de la Terre. C'est dur de tous les suivre en même temps, mais pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Alors, l'objet dont on parlait tout à l'heure est encore présent là, mais en mode immobile et on a l'impression qu'il est On beaucoup ne sait moins pas, matérialisé. il est toujours là, ou il a changé de volume, ou alors il a percé l'atmosphère. Et regardez, voilà ce qui vient d'apparaître là. Vous voyez la grosse boule à Là gauche là? aussi, on a l'impression qu'elle s'est matérialisée au milieu de l'écran. Exactement. Et c'est ça qui pose problème. En même temps, il y a des déplacements anormaux d'objets en bas. Donc voilà, quand on voit ces anomalies, le mieux c'est de regarder plusieurs fois la vidéo. On ne va pas le faire parce que sinon on va passer des heures, mais après de les regarder en accéléré, en décéléré, et on voit tout de suite, bon, c'est clair qu'il y a des anomalies hein, sur les objets du bas là. Voilà. Notamment les trois là qui sont à la bordure de la Terre. Ils ne devraient pas se déplacer comme ça, là. C'est des déplacements. Là, ils commencent à former un triangle là, avec quatre objets là. Et d'ailleurs, on voit tout de suite un recentrage de l'astronaute. Là, vous voyez, il commence à se rassembler. Ça, des particules de glace qui se rassemblent, c'est pas des particules de glace. C'est qu'elles ont brisé la glace, comme Voilà. on dit chez nous. Voilà. Et en plus, elles repartent dans une autre direction. Et regardez bien, l'astronome fait un zoom. Et ça, il a remarqué que c'était anormal, donc il veut voir de plus près. Et effectivement, bah, elles repartent dans une autre direction. Et elles sont bien lumineuses et bien rondes, on dirait. Ça, c'est pareil, il faudrait faire des analyses, des zooms, des arrêts sur image, minute par mi enfin, seconde par seconde. Effectivement, c'est une vidéo qui est assez étrange quand on prend le temps de réfléchir à ses déplacements, même si c'est pas tape à l'œil comme vidéo, puisqu'on a c'est pas du sensationnel comme tu disais au début de la première partie de cette émission, le nombre de fausses vidéos qu'on voit sur Internet, mais les caractéristiques de ses déplacements,
Moi, ce qui m'interpelle le plus sur celle-ci, c'est celui qui apparaît en plein milieu de l'écran. Là, on a l'impression qu'il se matérialise devant nous. Alors, quand je dis celui-ci, je parle d'objet. Hein. Et la première pensée que j'ai, c'est cette fameuse théorie Janus, modèle Janus de Jean-Pierre Petit, avec cet univers énantiomorphe qui permettrait de passer d'une phase de l'univers à l'autre et de voyager sur des grandes distances et de se matérialiser et de se dématérialiser un peu à volonté. Oui, parce que disons-le clairement, les distances spatiales sont telles, puisque la première étoile est à 4,3 années-lumière. J'avais calculé que même la sonde la plus rapide qu'on a actuellement, il faudrait plus de 13 000 ans pour y aller. Il est pas le voyage spatial de A vers B entre étoiles, dans un trajet linéaire, il est difficilement envisageable, même à la vitesse de la lumière. Encore faudrait-il y arriver. Donc, s'il y a des extraterrestres matériels qui se déplacent jusqu'à nous, ils utilisent probablement un autre moyen, que ce soit des univers gémellaires, théorie Janus, ou des téléportations, des warps, ou ce qu'on veut. Enfin, la science-fiction ou la science théorique a déjà imaginé pas mal de choses. C'est très probablement ce qu'on voit là, quoi. D'accord. Dans en théorie, hein, j'entends bien. Alors, pour là, je suis repassé sur nous, Franck. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments significatifs sur cette vidéo-là. Sur celle-ci. Alors, quelles sont les explications qui ont été émises par la communauté scientifique et astronomique sur cette observation-là? On va reprendre les hypothèses sceptiques. Disent qu'en Falcott, si ça apparaît brillant tout d'un coup, comme ça, quand ça apparaît de nulle part et c'est brillant, ça pourrait être une particule qui rentre dans la zone éclairée par le Soleil. Toujours cette explication. Mais il y en a, des fois, il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup des explications s'expliquent. C'est que il y en a une qui pourrait probablement caler ou non, mais après, on ne peut pas en sortir 50 pour expliquer des choses comme ça. Et donc, on remarquera que s'il y a déjà des objets autour qui sont déjà éclairés, ça colle pas trop comme explication. Et après, il y a le cumul d'anomalies. C'est-à-dire que si vous avez qu'une seule anomalie sur une vidéo, ok. Mais quand il y en a plusieurs qui se cumulent, on a plusieurs objets qui sont en trajectoire anomalique, qui se cumulent avec une particule qui prend de la luminosité, puis après qui disparaît, une autre qui réapparaît, ça commence à faire beaucoup, quoi. C'est pour ça que la thèse des particules de glace n'a jamais été reconnue comme explication définitive et officielle. Et c'est pour ça que la mission STS-80 et les objets qu'on a vus là intriguent beaucoup la communauté. Mais je pourrais vous montrer toujours une autre photo extraite de la mission 80 sur la page suivante, où cette fois-ci, il semblerait qu'on ait affaire à des cristaux de glace, mais dans un contexte différent, même si ça a été polémique. D'accord. Donc, alors, c'est là, c'est autre anomalie. Voilà, c'est celle-là. OK. Donc, ici, c'est un autre moment. Et on voit des objets qui semblent alignés. Alors, il peut y avoir des alignements naturels hein, qui sont brillants. Et par contre, ils n'ont pas de mouvement intelligent. Et donc là, ils sont brillants, pulsants. Donc là, même si ça a été bataillé, effectivement, ça pourrait être des particules de glace, puisqu'il n'y a pas de comportement intelligent. Ou des lanternes thaïlandaises. Oui, des lanternes thaïlandaises qui vont qui ont passé la ceinture de Van Allen. Déjà, pour qu'une lanterne thaïlandaise, on rappellera que c'est un ballon à air chaud. Quoi. Alors, avant qu'il atteigne l'espace... il y a du travail. Sa flamme s'éteindrait bien avant. Mais bon. voilà, pour ce qui est de la STS-80, on peut passer à la suivante. Et cette fois-ci, c'est la mission Discovery STS-114. Voilà. Et elle devait ravitailler l'ISS. Et là, on a une belle photo de la navette s'approchant. Et il va se passer quelque chose. On peut passer à la suivante. Au cours de cette mission, donc il y a une vidéo, une courte vidéo de la NASA, où on voit la Terre ici. Donc on voit sa courbure en bas de la vidéo, divers points brillants qui peuvent être n'importe quoi. Là, comme ça en face de la Terre, ça peut être des lumières de ville, mais c'est pas ça qui va être le plus étonnant. C'est que ça s'appelle l'OVNI boomerang. Ça dure environ une minute. Alors on va la retrouver. On doit être sur la 7. Vidéo 7. Hop,
Je peux la lancer? Attends qu'on soit synchronisé. Voilà, c'est bon, on peut y aller. C'est parti. Hop. Ça va venir de la droite de l'écran. Voilà. Point lumineux, brillant, apparemment rond, sphérique, qui s'approche de la Terre à grande vitesse. Jusque-là, rien d'anormal. On ne sait jamais, ça pourrait être un météore, que ce soit. C'est à partir de ce moment-là que ça part ailleurs, puisqu'on voit qu'il semble ralentir, effectuer un virage et repartir dans une autre direction tout en accélérant. Donc ça, c'est tout à fait anormal de voir ça. Surtout la vitesse. Vu la courbure de la Terre, ça doit aller vraiment fort, quoi. Donc on le revoit là. Donc c'est surtout ça là. Décélération. Et c'est là. Ouais. Voilà. Ah oui, elle est courte, mais elle est bonne celle-là. Ouais. Et après, bon, il y a d'autres internautes qui ont remarqué quelques anomalies. A priori, à un moment, un objet qui se déplace, mais il faudrait regarder de ça de près. Mais en tout cas, là, effectivement, c'est particulièrement bluffant, comme tu dis. Parmi les explications sceptiques qui ont été avancées, ils ont dit que ça pouvait être un débris. Ok, alors on ne voit pas pourquoi un débris se dirige naturellement. Bon, ok, admettons qu'il se dirige vers la Terre. Il ne devrait pas changer de direction. On sait que si un objet entre en contact avec l'atmosphère dans le mauvais angle, il peut rebondir sur l'atmosphère. Mais on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il décélère à un moment qu'il repart dans l'autre direction. Hein. Alors après. C'est-à-dire que pour pénétrer l'orbite de la Terre, il faut le faire selon un certain angle. Et c'est pour ça que. Et c'est un angle très précis. Et il suffit de voir dans les missions Apollo et même les navettes, ils faisaient très attention à ça. C'était normalement calculé par l'ordinateur. Mais si on le prend dans un mauvais angle, par exemple, un météore classique, il peut se produire différentes choses. Soit il rebondit sur l'atmosphère et il repart dans une direction quelconque. Soit il traverse l'atmosphère et il peut même en ressortir sans toucher la Terre. Soit il se fait vaporiser, soit il atteint la Terre. Mais dans certains cas, effectivement, il y a ce phénomène de rebond. Mais personne n'a trop développé là-dessus. Certains avancent l'hypothèse hasardeuse du débris. Mais voilà où ça s'arrête, quoi. La seule explication rationnelle qu'on pourra donner, c'est cette histoire de rebond sur l'atmosphère. Oui. Et encore, c'est parce que j'ai entendu parler de ça, mais sinon, il y en a peu qui en parlent, quoi. D'accord. Mais à prendre en compte quand même, effectivement, et Oui. on n'est pas au courant de tous les phénomènes physiques qui peuvent se passer dans l'espace. Mais par contre, ce qui est constant sur cette vidéo, c'est bah, comme tu l'avais dit, elle est vraiment intrigante et c'est ce que disent tous les gens qui la voient, quoi. Il n'y a pas photo, on voit l'objet, on a des repères visuels puisqu'on a la Terre quand même, on voit d'où il émerge et on voit sa trajectoire. Et en plus, c'est une partie de la Terre qui est assez conséquente, hein. Cet objet ne doit pas aller à 10 km par heure. Oui, effectivement. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui précisait tout à l'heure, à Sébastien, qui disait la flamme d'une lanterne, quand elle n'a plus d'oxygène, elle s'éteint. Alors, juste petite précision, Lémurien, quand j'ai parlé de lanterne thaïlandaise tout à l'heure, c'était un petit joke par rapport à cet argument qui est souvent sorti par les sceptiques. J'imagine bien que les lanternes thaïlandaises ne vont pas jusque dans l'espace. Je ne suis pas physicien, mais j'arrive encore à rester lucide par rapport à tout ça. Je vais vous donner la réponse pour les ballons. Parce qu'en fin de compte, des ballons stratosphériques, hein, des ballons qui sont faits pour aller dans les. Qui sont équipés et qui contiennent le matériel pour aller très haut. À ma connaissance, ça devait être aux alentours de 50 km de hauteur.
Il était bien sûr inhabité, mais il a été jusqu'à cette distance-là. La limite entre l'atmosphère et l'espace est jamais bien calibrée parce que c'est progressif, mais on dit que officiellement c'est 100 km, même s'il y a une raréfaction de l'atmosphère à partir de 30-50 km. D'accord? Donc ça donne une petite idée, quoi. C'est toujours bien Mais en tout cas, d'avoir les repères. les ballons ne vont pas dans l'espace, et certainement pas les lanternes, mais c'était une blague, Encore, quoi. encore moins. On rigole. Il y a Philippe qui nous dit, est-ce que la décélération de l'objet qu'on a vu pourrait être due à un effet d'optique? C'est-à-dire que finalement, on aurait peut-être un effet d'optique et l'impression qu'il décélère alors que ce n'est pas le cas, et qu'il se mange de plein fouet l'atmosphère et qu'il rebondit dessus. Oui, il y avait ce point-là aussi qui avait été avancé. Maintenant, ça me revient à l'esprit, peut-être une illusion d'optique. Donc il y a quand même, encore une fois, on est sur l'étude d'un phénomène où il y a quand même certaines pistes qui peuvent laisser penser que le rationnel explique tout ça. Oui, il y a toujours des pistes alternatives. Sceptiques, des fois elles sont crédibles, elles sont recevables comme la plupart, des fois elles sont très difficilement. Ici effectivement, c'est les seules qui ont été apportées, quoi. Débris et effets d'optique. On peut regarder pour les effets d'optique, dans ce cas-là, faut regarder par rapport au repère, voir si la caméra bouge au moment précis. Si effectivement la caméra semble bouger, zoomer, aller en arrière, ça peut provoquer cet effet-là. Donc à regarder seconde par seconde pendant la vidéo et aller voir ce qu'en disent s'il y a des experts scientifiques comme ceux qu'on avait vus avant qui ont fait des études là-dedans, quoi, sur D'accord. ce sujet. Voilà sur celle-ci. Et puis on peut passer Donc à la dernière que j'avais repérée pour ce soir. qui a dû arriver juste après, puisqu'on était sur la STS 114, et là on arrive sur la mission STS 115. Oui, je regarde au niveau du temps. Oui, il y a quand même un an de décalage entre les deux. Donc, en tout cas, c'est en 2006. Et effectivement, là, on voit un astronaute qui assemble des éléments. Effectivement, c'était ça. Le but, c'était d'aller construire des ajouts, des modifications sur l'ISS. Mais une surprise les attendait au retour, comme on peut le voir sur la slide suivante. La navette a pris un jour de retard parce qu'il y avait un ou plusieurs objets non identifiés qui étaient dans l'atmosphère. Et effectivement, ces objets ont bien été observés. D'abord, la vidéo où il y a un cercle blanc, en fin de compte, elle a été prise depuis la navette spatiale par un astronaute qui repérait l'objet puis qui suivait son déplacement. Et après, une autre vidéo qui a été prise d'ailleurs, visiblement, et qui nous décrit des objets apparemment en formation. Ça a fait un buzz dans les médias parce que, effectivement, comme c'était en direct, c'était public, il y a des astronautes, les astronautes parlaient ouvertement, des médias sont allés interpeller la NASA pour lui demander ce qui se passait, c'était quoi ces ovnis, et leur demandait des explications. La NASA s'est contente de dire qu'il s'agissait de débris non identifiés, et on peut les regarder. La vidéo, Alors, la vidéo, c'est la la numéro 8. huitième. Si c'est bon pour toi. Oui, c'est bon, c'est parti. Ok. Ok, donc là on voit la baie de chargement ouverte de la navette STS-115, crédit UW2TV, et là on a trois points, quatre même, trois points lumineux. Et là, c'est les déplacements qu'il convient de regarder. Il y en a un, le plus à gauche, là, qui avance dans sa direction et qui dépasse la parallèle des autres. Voilà, il a l'air de s'en aller. Tandis que l'autre, il y en a un qui a l'air d'être pulsant. Et l'autre, il a l'air d'être fixe. Ce qui est assez étonnant, puisque si une force, Oui. si on a face à des objets inertes, non intelligents, si une force, entraîne les deux autres, on comprend pas trop pourquoi celui du milieu reste fixe comme il l'est. Ah oui.
Bon, c'est absolument anormal pour un point comme ça de rester en vol stationnaire. Je ne sais pas sa position, hein, si c'est dans l'atmosphère, si c'est dans l'espace. Si c'est dans l'atmosphère, bien sûr, il y a les hélicoptères qui peuvent le faire. Certains avions à dave, comme ça dépend de l'époque, mais il y avait l'arrière britannique, le Yakovlev russe. De nos jours, il y a le F-35 Lightning II qui pourrait faire ça, mais ça surconsomme du carburant. Et puis, ça a pas, l'objet n'a pas la forme d'un avion. Bon, en tout cas, il reste fixe comme ça, stationnaire. Tandis que les autres sont partis. Tiens, il y en a un qui revient là. Ouais, c'était assez surprenant, d'autant que là, c'est filmé par les astronautes. Ben voilà. Donc, pour que les astronautes bloquent, en parlant parce un peu de caméras, il y a plusieurs caméras sur les navettes spatiales. Et ce qu'il faudrait, c'est vraiment l'altitude de ces objets. Ça pourrait aider leur vitesse. Voilà pourquoi ce dossier a fait un peu de buzz dans les médias. D'accord. Il y a une photo un peu plus rapprochée d'un astronaute où on voyait un objet semblant être formé d'un objet fin en pliure autour d'une boule. Enfin, vous le retrouverez assez facilement, mais ça apporte pas grand-chose. C'est un objet non identifiable, mais pas naturel en tout cas. D'accord. Donc, je suis revenu sur nous. Alors, sur... sur cette mission STS-115, oui, il y avait eu ces fameuses interviews d'astronautes, et c'est sur celle-là qu'une astronaute avait fait un malaise. Ah oui, c'est Madame Piper. Donc, quelques jours, pas très longtemps, il me semble que c'est deux jours après, peut-être, à vérifier. Comme d'habitude, les astronautes reviennent de mission, et effectivement, il y a un debriefing public. Parce qu'il faut que je précise qu'en fin de compte, c'est la communication, que ce soit pour la NASA, l'ESA ou d'autres agences spatiales comme Roscosmos, la JAXA, est importante. C'est-à-dire que, évidemment, c'est des gens qui reviennent de l'espace, c'est des héros, et on attend tous qu'ils fassent une déclaration. Mais peut-être qu'on leur demande trop aussi, parce que il faut savoir que quand on revient de l'espace, ça déstabilise l'organisme. Il faut plusieurs jours pour se remettre à la gravité terrestre. Oui, oui, c'est pour ça que Thomas Pesquet, quand on était revenu, on lui a fait des piqûres, on l'a tout de suite interrogé. Il y a le président qui était là, il fallait qu'il parle, mais... Un coup de vitamine avant, parce que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Et là, c'était, bon, il faut préciser que c'était juste après. Et donc, elle arrive au micro, et on lui demande, mais alors, vous avez vu des ovnis ? Et elle commence à répondre de mémoire, oui, c'était extraordinaire. Et puis tout d'un coup, elle commence à avoir un malaise. Donc, des gens viennent l'épauler. Elle essaie de parler à nouveau, et là, elle a encore un malaise. Donc voilà, il y a eu des doutes, il a été dit... Et ça a encore suscité beaucoup de fantasmes et d'interrogations sur cet épisode-là de l'interview malaise, parce qu'effectivement, elle donne l'impression de vouloir dire des choses, et puis le corps lâche. Voilà. Effectivement, ça peut être tout à fait naturel, le mal de l'espace, mais d'un autre côté, j'imagine mal quand même qu'on puisse contrôler des astronautes à distance en disant « Oh zut, il commence à parler d'OVNI, vite, faut le déconnecter. » Mais ce qui serait intéressant, alors peut-être, là j'extrapole, mais si elle a des choses intéressantes à raconter, cette dame et cet astronaute, il serait peut-être intéressant de reprendre l'interview là où elle l'a laissée, c'est-à-dire juste avant de tomber dans les pommes, et de dire, maintenant, aujourd'hui, quelle était la suite de la phrase ? Même si je pense que s'il y a des choses importantes et intéressantes, on connaît le secret militaire et institutionnel qui entoure le phénomène UFO, je pense que depuis, elle a peut-être été briefée et qu'on lui a dit, il va falloir se calmer, il n'y a rien à dire, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, et puis il y a des spécialistes ou certains ingénieurs qui interviennent au niveau des astronautes pour, pas forcément leur dire de rien dire, mais et les convaincre qu'il y ait une explication rationnelle. Ouais. Oui, toujours. Comme celui dont on parlait. Donc, voilà pour ce qu'il en est sur cette mission.
Ça s'est arrêté à la 135e. Il y en a eu d'autres, on ne les a pas tous vus, parce que j'ai vu d'autres petites courtes vidéos. Sur la STS-37, on voit aussi une sphère argentée, comme la première qu'on a vue. Mais c'est une vidéo de mauvaise qualité qui laisse donner l'impression encore que c'était prise depuis l'intérieur d'une cabine. Sur la STS-80, il y en a d'autres. Il y a eu d'autres événements anomaliques. Ça sera un peu trop long de tous les faire. Mais voilà, aujourd'hui, ce soir, on a pu voir au moins les plus importantes sur ces missions STS. On peut en trouver d'autres, mais c'est qu'une partie du puzzle par rapport à tous les autres, parce qu'il y en a qui ont été vus pendant les missions Apollo, il y en a qui ont été vus pendant les missions Gemini et d'autres missions spatiales, il y en a été, qui ont été vus par les cosmonautes de Roscosmos, qui ont été vus à l'œil nu, photographiés, il y en a qui ont fait des croquis, et tout ça, c'est des débats, c'est une partie de l'affaire, quoi. Et on peut rajouter aux observations faites, les déclarations des astronautes de retour sur Terre. Il y a eu là aussi de nombreux astronautes qui se sont un peu mouillés dans les décennies qui ont suivi leur excursion spatiale et qui ont donné des informations assez surprenantes. Merci en tout cas, Franck, pour ce dossier rondement préparé sur ces missions STS et les anomalies. Moi, je ne les connaissais pas vraiment, les anomalies autour de ces missions STS, et j'en ai appris beaucoup grâce à toi ce soir, donc un grand, grand merci. Si tu veux bien, on va prendre quelques questions pour finir cette émission. Ok, Très bien. si tu es partant, ça me va. La première, elle est pour moi, mais c'est une réflexion que j'ai vu arriver de manière assez récurrente sur le fil de discussion, le fil du chat ce soir. Au niveau de la qualité des images, on a vraiment l'impression que la qualité est très mauvaise, alors que là, les missions STS sont des missions qui sont relativement contemporaines de notre époque. Comment ça se fait que ces images soient si mauvaises? Est-ce que la NASA a de si mauvaises caméras et pas d'argent à investir là-dedans? Il y a plusieurs manières de répondre, mais effectivement, ça m'a interpellé. Parce que vous avez vu, je vous ai montré d'abord des photos de mission classiques de la NASA, et après, on a vu les vidéos d'OVNI. Les photos de mission des STS sont parfaitement claires, elles sont de belle qualité. Puis dès qu'il s'agit d'OVNI, vous connaissez le gag, dès qu'il y a un OVNI, je prends ma plus mauvaise caméra. Et on pourrait faire des gags là-dessus, dire bah oui, effectivement, c'est peut-être le cas. Il faut savoir qu'il y a plusieurs caméras sur donc une navette spatiale, mais je n'ai pas d'explication à vous fournir. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois ça donne ça. Je sais néanmoins que pour la première, que je la retrouve, c'est parce qu'elle est prise depuis l'intérieur de la navette. Et la seconde, c'était sur la STS 48, c'est parce que c'est une caméra spéciale qui était en test. D'accord. Moi là-dessus, Mais effectivement, la question se pose, il faudrait, pour répondre à ça, c'est obtenir quelle caméra respectivement a filmé ces anomalies et pourquoi est-ce que ça donne ces images-là, quoi. on peut mener, à mon avis, une double réflexion là-dessus. Soit il y a vraiment des choses, soit la NASA a des images de bien meilleure qualité de ce qu'on a vu aujourd'hui, et à ce moment-là, les images qui ont été rendues publiques ont été détériorées, entre guillemets, c'est-à-dire que la qualité a été amoindrie. Pour qu'on ne puisse pas se faire une réalité. Soit, tout à l'opposé, on pourrait se dire que finalement, si toutes ces anomalies n'apparaissent que sur des images de mauvaise qualité, c'est peut-être parce que justement cette mauvaise qualité ouvre la porte à des interprétations un peu plus exotiques que les explications rationnelles que nous donne la NASA. C'est un peu comme les émissions. NORA avait fait deux émissions. Avec un intervenant, j'ai oublié son nom, mais c'était très pertinent sur les anomalies lunaires et sur le fait que finalement de nombreuses anomalies lunaires qui étaient débattues sur Internet pouvaient être rapidement débunkées au vu de la qualité de pixelisation des images et de ce que ça laissait interpréter aux personnes qui observaient ces images. Peut-être qu'on est dans le même cas sur une partie de ces vidéos-là. Oui, sachant que si c'est une intelligence exogène avancée qui se déplace jusqu'à la Terre comme ça pour se promener, il est clair qu'ils ont des moyens, enfin on peut le supposer, de détecter les aéronefs à proximité. Donc peut-être auquel cas veille à pas trop s'approcher, hein, face à la navette pile devant son nez.
et là, rester à quelques milliers de kilomètres pour rester discret. Parce qu'ils savent qu'à cette distance, plus la distance est longue, plus on va avoir des images de mauvaise qualité. Quoi. C'est une troisième explication, effectivement. J'ai une petite question, je vais en prendre quelques-unes. Tiens, Boubou qui l'a posé plusieurs fois, on verra si c'est dans ton champ de compétences. Boubou nous dit, ah bah zut, je la fais défiler, ça va pas aller, je la retrouve. Ces points lumineux, les observations qu'on a vues aujourd'hui, pourraient-ils être des Merkaba, des véhicules, des esprits en décorporation dans les traditions anciennes? Là, on est sur du très spirituel. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur de l'ovni tôt les boulons, on est totalement à l'opposé. Est-ce que ces points lumineux pourraient être des formes, des objets éthériques qui représentent plus des énergies que des aéronefs? Après, si on sait qu'on a affaire à une intelligence exogène, elle peut prendre plusieurs formes. Effectivement, on peut aller ainsi dans l'hypothèse extraterrestre de niveau 1, c'est des véhicules et des engins matériels, mais on peut aussi penser à l'hypothèse de niveau 2, qui pense plutôt à des êtres interdimensionnels. Mais dans ce cas-là, il faut qu'ils aient la possibilité de se matérialiser dans l'espace et d'y survivre. En rappelant bien sûr, l'absence d'oxygène, les températures extrêmes, mais de toute manière, s'ils viennent d'une autre dimension, ils peuvent s'affranchir de ces contraintes. On peut imaginer ça. Oui, effectivement. Et auquel cas, ça pourrait peut-être expliquer les déplacements extraordinaires constatés, les variations de forme et autres. Quoi. On pourra avoir vraiment affaire à tout, la porte est ouverte. Il y a tellement de choses pour lesquelles on n'est pas armé intellectuellement pour comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Une autre question de Myriam, qui, si elle ne paye pas de mine à premier abord, me semble drôlement pertinente. Myriam nous demande pourquoi tous ces ovnis sont-ils ronds? En apparence. En apparence. Déjà, on va commencer par l'atmosphère. Des objets ronds dans l'atmosphère, dès la vague de 1947, beaucoup de gens, même des ingénieurs, des pilotes, des scientifiques, des militaires, signalaient des petites sphères volantes qui allaient entre 50 cm et 3 mètres de large et qui survolaient les bases militaires, qui survolaient à basse altitude les agglomérations. La sphère était présente bien sûr pendant la Seconde Guerre mondiale avec les Foo Fighters et de nos jours, on parle encore de sphères lumineuses. La question est, une sphère, c'est vraiment pas pratique pour se déplacer dans l'atmosphère, c'est... Comme on parlait des sphères construites par l'homme dans l'espace, mais à 30 km par heure, mais dans l'atmosphère, actuellement, on ne sait pas faire des sphères parfaitement métalliques et compactes, ça n'existe pas. On a juste des drones qui sont capables de voler à la vitesse d'une voiture avec une armature sphérique. Si la question qui pourrait se poser par rapport aux sphères, est-ce que c'est une forme intentionnelle ou c'est une forme usuelle? En gros, est-ce que c'est la forme de leur vaisseau ou alors c'est l'apparence qu'ils prennent? Si c'est l'apparence qu'ils prennent dans l'atmosphère, il y a un message peut-être derrière. C'est un message qui consiste à dire, voyez, on se présente sous la forme d'une sphère, mais une sphère n'est pas aérodynamique, donc c'est la preuve que déjà, avant de faire des performances de vitesse extraordinaire, ce ne sera pas possible pour vous, humains. Donc c'est pour histoire de choquer, de montrer aux professionnels de l'aéronautique que c'est tout à fait inhabituel ce qu'ils voient. Ça pourrait être le message derrière la sphère, quoi. Et dans l'espace, ça a moins d'importance parce que la forme dans l'espace, comme on en a parlé, a pas, ça ne change rien. Que vous ayez un cube, un rectangle ou une sphère, elle évoluera de la même manière. Quoi. D'accord. Mais j'apprécie ta réflexion qui consiste souvent, c'est pas la première fois dans l'émission, à essayer de comprendre quel est le message qu'il y a derrière l'attitude de ces objets, sans savoir qui sont les auteurs de ces déplacements et de tous ces phénomènes qui nous passionnent et nous intriguent quand même drôlement. Eh bien écoute Franck, un grand merci, on va s'arrêter là pour cette émission. Quelques commentaires que je voulais prendre à la volée, il y a Florent qui... Sachant que le débat est toujours ouvert, hein, parce que c'est un débat qu'on ouvre, après on a posé les bases et les références de chaque étude contradictoire, libre à vous, et je vous encourage même à intervenir, si vous trouvez d'autres pistes, si vous trouvez des points qui valident ou invalident certaines thèses, bah, autant
envoyez tout ça parce que ça enrichit la réflexion. Et puis si jamais nous, on les reprend, on les mettra à jour avec vos commentaires, bien que sûr. Je lirai tous. Et je causerai chacune des pistes que vous suggérez. Voilà, mais ça, on ne cessera jamais de le dire. Mmh. Encore une fois, informez-vous, les amis, faites vos recherches aussi, croisez les informations. Et si vous avez des réflexions pertinentes sur ces dossiers-là, bah, n'hésitez pas à les partager avec des personnes comme Franck, qui, eux, passent énormément de temps à étudier le phénomène. En tout cas, Franck, un grand merci. Il y a Florent qui nous dit « Merci Franck pour ton travail, toujours très rigoureux et sérieux, une référence en termes de recherche et d'études ufologiques. Bah, » Effectivement, c'est une des grandes qualités qu'on te connaît, Franck, c'est cette rigueur dans ton approche. Il n'y a pas de côté farfelu. On prend les dossiers un à un, on les étudie. Et puis après, moi, je te dis encore une fois, cette capacité que tu as à souvent essayer de savoir quel est le message qu'il y a derrière tel événement, ça, je trouve ça bien. Il y a Nati qui nous dit c'était grandement intéressant, mille merci pour cette soirée passionnante. Et ben je dirais pareil, mille merci Franck pour cette soirée passionnante. Je rappelle aux auditeurs et aux téléspectateurs et à toutes celles et ceux qui nous écouteront, Nuréen, YouTubeur et autres, cette émission on l'a fait en deux parties parce qu'il y a eu un petit bug technique certainement qui vient cette fois-ci du côté de chez nos amis YouTube ou du réseau informatique. On a dû la couper la première. Il y a peut-être 5-10 minutes, à mon avis 5 minutes, qui ont disparu au milieu, perdues dans les couloirs du temps. Nous ne les retrouverons peut-être jamais. Nous verrons à l'écoute du replay. En tout cas, merci infiniment. Je crois qu'à peu près 3/4 des personnes qui étaient présentes sur la première partie ont réussi à retrouver la route de Nuréa TV, à nous rejoindre sur cette deuxième partie. Donc un grand, grand merci à vous, les amis, pour votre ténacité et votre fidélité. Franck, merci à toi. On espère te revoir très bientôt sur Nuréa TV. Et puis c'était un plaisir, et ça sera toujours de vous revoir. Merci beaucoup, beaucoup Franck. Les Nuréens, nous voilà arrivés au bout de cette soirée. Un grand, grand merci pour votre présence à nos côtés ce soir. Vous l'avez vu encore une fois, les soucis techniques ne manquaient pas. La porte était fermée, nous sommes passés par la fenêtre. Et je suis vraiment très, très heureux d'avoir passé cette soirée en compagnie de Franck Morin et en votre compagnie à vous. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous, bonne soirée. Et surtout n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. À très bientôt. Au revoir.